Alors, on va mettre un filtre de flou. Filtre flou, flou gaussien. Ok, il n'y a pas besoin de le régler. Il arrive là. On va mettre également un filtre de tracé des contours. Filtre esthétique, tracé des contours. Voilà. Et le filtre de flou gaussien qui est arrivé en premier, ben il floute l'image et ensuite elle est transformée en tracé des contours. C'est exactement ce qu'on veut. Au-dessus de ce calque objet dynamique, on va mettre des calques de réglage qui vont nous permettre, notamment le premier, le calque de réglage courbe, va nous permettre de nous débarrasser de tout ce qui est très clair et que le flou n'aurait pas réussi à enlever. Tout ce qui est très clair, on veut garder que les traits les plus foncés. On veut d'ailleurs aussi foncer les traits qui sont foncés. Donc on va contraster. Et pour contraster en ayant le maximum de contrôle, rien de tel que un calque de réglage de type courbe. Donc, ici, on va mettre un calque de réglage de type courbe. Le voilà.